disparu. Je sais pas si on l'a vu sur la GoPro. Je venais juste de l'allumer parce que je voulais prendre le petit bout de marais. J'espère qu'on l'a vu. Toutes les fois où je suis venu ici, j'ai pas vu grand chose, mais dans le contexte, c'était l'endroit où la météo était la moins pire. Avec la pluie qui est prévue, par contre, il y a beaucoup de traces d'animaux. Beaucoup. Des traces de chevreuil, des traces de rignons. Et sur la route, sur les sentiers. Donc, peut-être faire des belles découvertes. Continue. Un rookie à l'arrière, t'es encore debout là? Psst. Oh, ah ben voilà, il y a la caméra. Mais oui. T'as rien vu toi non plus. Bon, ben alors il y en a. Je viens juste d'en voir une, mais elles sont vraiment farouches. Là, à peine elle a vu la voiture, elle a foncé dans les arbres, elle décolle même pas. Elle longe le sol le temps que je descende, que je prenne le fusil. Je l'avais perdu de vue. Et puis là, je suis rentré dans le sous-bois un peu à pied, je me suis promené. Je ne l'ai jamais revu. Remarque, avec le camouflage qu'ils ont, j'aurais pu marcher dessus, je ne l'aurais pas vu. Mais voilà, ben au moins il y en a. Une de vue à 10h30. On en verra peut-être d'autres. Je serai peut-être plus chanceux. Là, le terrain était passablement accidenté. Ça valait pas la peine d'envoyer Rookie là-dedans. Elle aurait décollé, puis je l'aurais perdu de toute façon. Ouais, ok, pas trop brassé. Thank you.
ben on est moins haut que je pensais. On va continuer, puis on va prendre les petites pistes vers le haut. De rouler sur un ruisseau. Je me demande si je continue ou pas, mais c'est censé être la 3 Nord, mais c'est un chemin assez dégueulasse. Non, je suis censé, c'est censé mener à un chalet, puis à une partie relativement correcte de la réserve. J'ai même une carte GPS pour me confirmer que tu viens sur la 3 Nord. Là, je roule dans un ruisseau. Parce que je roule dans un ruisseau. Je roule dans un ruisseau. Donc, voilà. Pas encore vu de perdrix. Enfin, j'en ai vu une, mais j'ai vu son ombre. Sinon, j'ai vu un renard. CEPAC, réserve faunique Papineau-Labelle. Je suis à peu près sûr qu'il l'indique parce qu'on a plus l'impression d'être sur une trail de 4 roues qu'autre chose. Le panneau, là, il a connu des jours meilleurs. C'est un coin assez lugubre ici. Beaucoup de marais.
bon message. Thank you.